Lukaku. Oh là là. Oh, la frappe maintenant. Oh, quel but de Vinicius. Nous allons pas. Ça va cabane. Classe mondiale, s'il vous plaît. Cet homme est une machine. De Bruyne, la voilà, tiens. C'est pas pour toi. Monstrueux. C'est pour ça qu'on joue la Champions League. C'est ces matchs-là qu'on aime, qu'on veut jouer. Ces matchs où il faut montrer de la personnalité. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On est reparti pour un tour dans cette Ligue des Champions, les huitièmes de finale. Allez, mardi et mercredi, et sur le plateau du Champions Club, on a repris nos bonnes vieilles habitudes en 2024. Jonathan Lange est là, Alex Teclac aussi. Salut les gars. Salut Mathieu. Bonjour Mathieu, bonjour Jonathan. Bon, les quatre équipes qui nous attendent cette semaine, regardez le programme. Le voici, le voilà, la grosse affiche du mardi 13. Leipzig face au Real, Loïs Openda face à la Maison Blanche, Copenhague, Manchester City. On verra ce que ça donnera pour le petit poussé danois. Et puis l'affiche très attendue mercredi, Paris Saint-Germain, Real Sociedad. Alex, pour votre part, vous serez à Rome pour ce Lazio Bayern Munich. Un Bayern Munich qui ne va pas très bien. On aura l'occasion d'en parler d'ici quelques instants avec Alexis Menuge. C'est pas mal ce premier déplacement de l'année. Rome, ça vous convient? Ça va, ouais, j'ai décidé quand même aujourd'hui d'être très sélectif effectivement dans mes destinations. Donc voilà. Il a un bronzage à parfaire, c'est pour ça. Mais c'est incroyable comment il est bronzé toute l'année. Hein. Comment ça s'explique, Jonathan? Ça s'explique pas. Non, mais moi, j'ai pas d'explication rationnelle à vous donner, si ce n'est que j'ai un teint allé, c'est tout. Ouais, et l'auto-bronzant qui traîne aussi quelque part ici sur ce plateau. Il faut le dire aussi, sachez-le. Cher suiveur du Champions Club, Alex Teclac s'entretient et à bientôt 50 ans, c'est quand même assez remarquable. Il est en forme, on espère que les joueurs le seront aussi, évidemment, cette semaine. On va commencer évidemment par l'affiche à ne pas louper, c'est l'affiche de mercredi. L'immanquable Paris Saint-Germain, Real Sociedad. On sait que du côté de Paris, une fois qu'on arrive au huitième de finale, chaque année j'ai l'impression qu'on revient avec la même intro. Ben oui, que le stress arrive. Sauf que visuellement, il y a un peu moins de stress. C'est ce qui se fait comprendre, en tout cas, du côté du Paris Saint-Germain. Paris qui a gagné ce week-end, qui a fait tourner face à Lille. Jonathan, sans Mbappé, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, c'est bien passé. C'est vrai qu'il n'y avait quasiment aucun titulaire attendu ce mercredi soir pour la Saint-Valentin. On a l'habitude de jouer les soirs de Saint-Valentin du côté du PSG. Mais ça tient surtout au discours de Luis Enrique, qui a une vraie volonté de dédramatiser. Il le répète, c'est pas une question de vie ou de mort, il sera encore vivant après ce match-là. Mais voilà, c'est vrai que ils ont eu cette fois-ci de la chance au tirage avec la Real Sociedad. C'était quand même l'équipe que tout le monde voulait avoir dans le premier chapeau. Ouais, on rappelle que les Espagnols ont tout de même terminé premier de leur groupe devant l'Inter. Mais Alex, il faut aussi dire que depuis quelques semaines, ça tourne un peu moins bien. Ouais, ça tourne moins bien parce qu'ils ont des blessés importants. Ici d'ailleurs ils vont se présenter avec une équipe fortement diminuée, donc c'est vrai qu'ils traînent un peu leur spleen aussi en Liga. Bon, beaucoup de 0-0, c'est d'ailleurs une des meilleures défenses de Liga effectivement. Ouais, et ils ne marquent plus depuis 4 matchs aussi. Hein. Bah ouais, c'est lié là au talent offensif qui leur a manqué, Kubo aussi qui est parti en Coupe d'Asie, qui revient. Et donc il faut voir ce match effectivement. Bah, le PSG, c'est vrai, les joue. Bon, au départ on peut se dire oui, c'est l'équipe qu'on veut tirer, mais il les joue aussi à un très bon moment parce qu'il y a beaucoup d'absents très importants du côté de la Sociedad, et inévitablement l'équipe diminuer en termes de qualité. Ouais, bon, forcément, quand on parle du PSG, on se tourne vers Kylian Mbappé. Mbappé qui n'était pas là ce week-end. Non. Bon, non. Évidemment, épargné en attendant le match de Ligue des Champions. Ouais, on peut attendre de sa part. Bah, on a eu très peur, surtout du côté du PSG, de revivre les épisodes Neymar quand il a été fauché par le Brestois Brasier. Mmh. Alors voilà, le foot reste un sport. Et en plus, c'est le carnaval. Voilà, c'est plus pour Neymar, c'est vrai. Mais voilà, non, il sera là. Mais c'est vrai qu'il a un autre rôle quand même maintenant. Plus depuis quelques mois que quelques semaines, il a été recentré. Il y a une animation offensive privilégiée qui a été dégagée par Luis Enrique. On a Ousmane Dembélé à droite qui est absolument exceptionnel. Encore ce week-end, il a fait très très mal à Lille. À gauche, il y a le petit Bradley Barcola que Luis Enrique aimait beaucoup, qui sont allés chercher à Lyon et qui s'est imposé aussi dans la provocation. Et en pointe, on a Mbappé. C'est une manière aussi de le faire jouer en pointe, d'atténuer, on va dire, son manque de repli défensif, parce que quand il était sur le couloir, il défendait pas beaucoup, ça on le sait, avec Mbappé. Mais c'est aussi un fameux désaveu, parce qu'on a quand même dépensé plus de 170 millions pour Ramos et pour Colomouani, ouais, qui sont sur le banc. Bah, ils sont quand même marqués ce week-end, voilà, qui donne un peu de baume au cœur, j'imagine, à la direction du Paris Saint-Germain. Mbappé, comme vous le dites très bien, il a insisté il y a quelques semaines de cela dans un reportage consacré à sa personne du côté de France 2. C'était envoyé spécial à son sujet, c'était assez intéressant d'ailleurs. C'est vrai que c'est un fameux
de personnage. On en parle énormément. Et son nom, évidemment, est cité au Real Madrid. Jonathan, je sais que vous avez des connexions. Ça ne fait pas si développé que c'est d'Alex Teclac. Mais bon, c'est quoi les dernières news concernant Mbappé et le Real? Ouais, il y a beaucoup d'éléments contraires qui ont circulé, comme celui d'un ultimatum avant le 15 janvier pour laisser la possibilité au Real de se retourner. Voilà, on sait que du côté du PSG, on est aligné entre Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé, ce qui n'a pas forcément été tout le temps le cas non plus. Là, voilà, l'idée, c'est qu'ils prendront leur décision, ils la communiqueront en temps voulu et d'abord aux principaux intéressés. Donc voilà, il y a beaucoup de spéculations. Effectivement, est-ce qu'il va prolonger ou pas? Ça, c'est la grande question. Et s'il ne prolonge pas, pour aller où? Peut-être au Real, pourquoi pas à Liverpool, sait-on jamais non plus. Donc voilà, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est l'inconnu. Et c'est vrai que lui, de toute façon, continue quand même à avancer parce qu'il faut quand même juste donner un chiffre. Cette saison, il en est à 30 buts en 29 matchs. Bon, le PSG clairement favori pour cette rencontre. On est bien d'accord à ce sujet? Oui, ils seront favoris. On le répète, la Sociedad. Ils vont passer. En plus, au-delà de ça, même si la Sociedad avait été au complet, c'est plutôt le type d'équipe qui l'aurait bien correspondu. C'est une équipe chiante à jouer quand même. Très bien. Voilà qui est clair avec Jonathan Lange. C'est bien quand on dit les choses telles qu'elles sont. Même si je vous ai connu plus élégant, mon bon Jonathan. PSG Sociedad, c'est à suivre avec Marc Delire et Yannick Ferreira. C'est donc mercredi soir sur les antennes de Pix. Mais avant cela, mardi soir, il y a aussi une énorme affiche qui nous attend. Noir, jaune, rouge. Ouais, on vous propose la séquence noir, jaune, rouge parce que, évidemment, Loïs Openda, 15 réalisations en Bundesliga cette saison, a marqué encore ce week-end et il va jouer face au Real Madrid et qui dit forcément le Red Bull Leipzig, dit notre invité du jour, spécialiste du championnat allemand, bien sûr, c'est Alexis Menuge. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, Alexis. Comment ça va? Bonjour, messieurs, plaisir partagé. Très impatient de collecter le champion. Reprennent ses droits, c'est un peu long la trêve hivernale. Donc, comme vous le savez, la saison prochaine, avec la nouvelle formule, il y aura une trêve beaucoup plus courte. Et c'est tant mieux. Oui, on jouera en janvier aussi. Et Alex Teclac n'aura pas le temps d'aller en Espagne pour peaufiner son bronzage. Voilà, il faudra s'organiser autrement, Alex. Je ferai les matchs espagnols. Oui, voilà. J'imagine. L'Atlético, évidemment. Voilà. Bon, on prend des nouvelles d'Openda avec vous, Alexis. Mais avant ça, sachez qu'avec Alex Teclac, qui, lorsqu'il n'est pas en Espagne, eh bien, il est quand même aussi sur les routes. Et on a pris la route de Leipzig il y a quelques semaines de cela, il y a 15 jours exactement. Vous retrouverez ce reportage mardi soir sur les antennes de Pix Plus Sport dans le cadre du Multilive et de larges extraits aussi, évidemment, en tout cas, les déclarations d'Openda dans la DH de ce mardi 13 février. Loïs Openda, ben, on sait que ça carbure. Pas mal, c'est le moins qu'on puisse dire du côté de la Bundesliga. C'est un peu plus compliqué en équipe nationale. Et Alex, évidemment, ben, lui a posé la question à ce sujet. C'est pas la même chose qu'en équipe nationale ici. Le coach a beaucoup de confiance en moi, je le sais très bien, on a déjà parlé. Et ça me fait déjà du bien d'être appelé et d'avoir cette confiance du coach. Après, je pense que j'ai besoin de me relâcher. Voilà, il faut que je sois plus relax. Je sais que c'est un conseil de Thierry Henry qui m'avait donné mon premier but. Et même quand j'étais avec lui, il m'avait dit quand tu remises les balles, avant, quand je remisais les balles, j'étais un peu trop crispé. Mm-hmm. Et il m'a dit relâche-toi, sois cool. C'était des petits conseils qu'il m'a donné parce que c'est aussi c'est une légende. Et forcément, j'écoutais ces conseils-là. Quand je reviens au club, ça se passe très bien. Maintenant, il faut que je reprenne cette confiance-là en équipe nationale et que je le fasse. Okay. Et ça se fera. Encore un but hein, pour Loïs Openda ce week-end. Il aurait pu en avoir deux puisqu'il a loupé un pénalty. Comme quoi. Mais un beau but de la tête. Bon, Alex, on est sorti en tout cas très enthousiaste de cet entretien avec Loïs Openda parce qu'il y a une transformation physique qui est indéniable. Hein, c'est assez impressionnant au niveau de la musculature. Et puis, le petit gamin du club de Bruges n'est plus un petit gamin. C'est vrai qu'il y a eu des étapes, évidemment. Il y a eu vitesse, il y a eu lance. Et quand on l'entend dans son discours, il est quand même bien plus à l'aise. Il sait où il va. Et il sait aussi qu'il est très bien accompagné à Leipzig. Il a un parcours très particulier, c'est vrai. Hein. Pour info, à vitesse, il avait connu un entraîneur qui provenait de l'écurie Red Bull. D'où sans doute aussi le fait de l'avoir bien fait marcher là-bas. Les gens l'oublient un petit peu. Mais ensuite, il a eu une progression intéressante par rapport à une philosophie aussi de jeu qui lui correspondait bien. Ouais. C'est surtout ça aussi. Progression
progression fulgurante. Oui, mais il a fait. Parfois, vous savez, vous faites des choix de clubs qui. Et la philosophie ne vous correspond pas forcément. Ici, les entraîneurs qui l'ont pris, et Red Bull en particulier, ils ne prennent pas un joueur, ils n'achètent pas un chat dans un sac. Ils l'ont pris parce que ça allait marcher. Bon, il fait partie des trois meilleurs buteurs en Bundesliga, on le rappelle. Alexis, on a envie de vous entendre, évidemment, hein, puisque nous, évidemment, il y a le cœur belge qui parle. Comment il est perçu, justement, en Allemagne? On sait qu'il est troisième meilleur buteur, après Kane et Guirassy. C'est quand même assez impressionnant. Il a un objectif de 30 buts. Il nous l'a dit dans le cadre de cette interview. Moi, j'aimerais bien planter 30 buts. Alors, on regarde un peu le calendrier. On arrive tout doucement à la mi-février. Ça va être compliqué, mais c'est peut-être pas impossible non plus. Non, c'est pas impossible parce qu'il y a d'énormes espaces en Bundesliga et il atteindra au moins le total des 25. Alors, je sais pas si par les suites du championnat ou toute compétition confondue. Toute compétition confondue. Ah bah, s'il en met 4 au Real, ça ira bien. Il y aura de grandes chances d'atteindre l'objectif. Mais en tout cas, ce qui est impressionnant chez lui, messieurs, c'est son intégration express. Il n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour trouver ses repères dans un championnat nouveau, dans un pays nouveau pour lui, avec de nouveaux coéquipiers. Ce qui m'impressionne le plus, en fait, c'est qu'en début de saison, avec Timo Werner, avec Youssouf Poulsen, aujourd'hui avec le nouveau Erling Haaland, Benjamin Sesko, c'est le même genre de joueur. On verra qui sera le plus proche de la durée, mais Openda arrive parfaitement à s'adapter à son compère de l'attaque. Parce qu'il a pu aussi, je pense, étoffer son jeu, il a pris confiance, vous l'avez dit, il a gagné en maturité, sur le plan physique également. Et aujourd'hui, c'est l'activité, il est très impressionnant même, parce qu'il va régulièrement, parce qu'il est sympathique, parce qu'il montre pas mal d'humilité. Ça plaît beaucoup. En tout cas, il a très vite fait oublier un certain Christopher Nkunku. Oui, je vous parlais de la transformation physique. Écoutez, en s'entretenant avec lui, il nous l'a dit, moi, au niveau de au niveau des différents calculs qui sont mis en place par l'équipe, je suis à 6 ou 7% au niveau de la masse graisseuse. C'est digne des meilleurs coureurs cyclistes hein, du monde. C'est particulièrement impressionnant. Tout est pesé, tout est calculé du côté de Leipzig. Et visiblement, aujourd'hui, on en a fait une machine, un véritable taureau. 1m77, 77, Alexis, 83 kilos. C'est quand même un fameux bébé, je vous le disais, moi, un taureau qui marque, qui plus est. Non, on a vraiment l'impression que non seulement le championnat, mais aussi ce club lui conviennent parfaitement. C'est vrai que c'est un championnat très physique, avec beaucoup d'intensité, de pressing, de vigueur pressing, et ça lui convient à merveille. C'est vrai qu'il bénéficie aussi de la confiance de Marco Rose. Alors le championnat, le parcours en championnat est un peu décevant depuis Noël, puisque l'Atlantique n'est plus que cinquième, a du mal à aligner 2 victoires de suite. Là, je crois qu'il n'y a eu qu'une victoire lors des 6 dernières journées, et c'est beaucoup trop peu pour un club qui voulait finir sur le podium. Mais Openda, en tout cas, sera fortement sollicité cet été, et puis surtout s'il devait marquer les esprits face au Real, demain déjà. Et puis ensuite à Bernabeu dans 3 semaines. Ouais, on sait qu'il a beaucoup de respect pour Romelu Lukaku. Hein. On a vraiment eu l'occasion de s'entretenir avec lui et à ce sujet, il a assez dithyrambique par rapport à Romelu. J'aimerais quand même revenir sur ce fameux match où ils ont été associés en équipe nationale et où Openda a dû sortir après 45 minutes. J'ai envie de dire que ce jour-là, il a eu droit à un faux procès de la part de certains, sous-entendant que ça n'allait pas de son côté. C'est peut-être l'occasion de remettre un peu les choses dans leur contexte, Alex. Bah, ça n'allait pas parce que il était soumis à devoir faire un travail défensif sur le 6 adverse. Voilà, ça se passait comme ça dans leur pressing, que Romelu faisait moins, voire pas du tout. Et la hiérarchie, effectivement, le standing qu'il y a entre les deux joueurs fait qu'à un moment donné, ben, t'es Openda, t'es avec Lukaku. Si les choses sont pas très claires et que la distribution des tâches n'est pas équilibrée, ben oui, ça lui annuit à lui. Et c'est vrai que c'est plus facile aussi pour le coach national de, plutôt de sortir Openda évidemment de sortir Romelu. Donc l'association, il l'a tenté. Je crois qu'il l'a tenté aussi pour ne pas qu'on lui dise « tu ne l'as pas tenté ». Mais fondamentalement, et il le dit aussi dans l'interview, les principes de jeu en équipe nationale avec des joueurs quand même très hétéroclites, c'est pas, tu ne peux pas dire « on va jouer à la Red Bull en équipe nationale, même si Tedesco aime ce style ». C'est impossible. Donc, il en a fait les frais, effectivement. Très bien. Alexis, quelles sont les chances de Leipzig face à ce Real-là? On rappelle évidemment que Rüdiger et Bellingham ne seront pas là. Bellingham qui s'est blessé malheureusement au niveau de la cheville face à Gérone. Quel est le sentiment qui prédomine en sachant que les deux équipes se connaissent bien aussi? Écoutez, Mathieu, lors du tirage au sort décembre, on était très confiants à Leipzig parce qu'à l'époque, déjà, le Real avait un blessé l'un après l'autre avec Alaba, Militao, qui sont absents depuis 6 mois. Et Leipzig marchait sur l'eau en championnat. Et depuis, les groupes se sont totalement inversés. Le Real, malgré ses problèmes d'effectifs, domine largement son championnat, connaît l'ADN de la Ligue des champions du Real. Leipzig est quand même dans le doute en Bundesliga depuis plusieurs semaines. Néanmoins, c'est une équipe capable de transcender en Ligue des champions dans un match à élimination directe. C'est un club qui ne veut vraiment pas faire des esprits
et montrer qu'on a franchi un cap dans son évolution. Et quoi de meilleur que d'éliminer le plus titré des clubs dans l'histoire de la Champions League. Néanmoins, on est quand même très pessimiste aujourd'hui parce qu'encore une fois, l'ERP est déploiement de la crise sportive et que le Real finalement arrive, en tout cas sur le papier, au mauvais moment. Mais encore une fois, le RP ne peut que surprendre demain soir. Oui, assez impressionnant, hein, le Real face à Gérone. Alors c'est vrai, il y a ce coup dur, il y a le fait que Bellingham ne soit pas là. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? On sait que c'est l'homme à marquer, c'est l'homme indispensable. Comment faire avec un garçon qui ne sera pas là? Je rappelle encore une fois que Rudiger aussi, c'est le cas ces dernières semaines, il y a pas mal de soucis au niveau défensif. Malgré ce Real déforcé, le Real est favori. Ouais, et puis malgré une équipe vraiment amoindrie, notamment défensivement, parce que tu le disais, ils ont quand même joué en charnière centrale avec Aurélien Tchouaméni et Carvajal, contre Dovbyk, qui est peut-être l'un des meilleurs attaquants en ce moment de Liga, voire d'Europe. Ils leur en ont passé 4 à leur dauphin. Donc il y a quand même une puissance et une habitude. Alexis le disait, il y a cet ADN qu'on a au Real et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et sans Bellingham, forcément, on va encore attendre plus de Vinicius. Et on a vu encore le but fabuleux qu'il a inscrit ce week-end. Ouais. Le but, comment tu veux dire? Un délicieux. Pas mal, pas mal. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. C'est vrai qu'il a été assez impressionnant. Bon, ce qui est sûr, c'est que du côté de Leipzig, Alex, Openda va avoir une arme supplémentaire. Du côté de Leipzig, Openda va avoir une arme supplémentaire. Ouais, vous lui avez donné un petit cadeau, là. Ah oui, ok. Regardez ce que ça donne et écoutez, et vous allez comprendre. Je voulais aussi t'offrir, en fait, un truc supplémentaire. Okay. Ça devrait... Ça devrait te faire plaisir. N'aie pas peur. Hein. Tu sais ce que c'est? Ouais. Un katana. Voilà, ça aussi, ça provient du monde des mangas et symbole de loyauté, notamment. Je pense que t'es un garçon loyal, humble, modeste. Merci beaucoup. J'ai été éduqué de cette façon-là, toujours rester humble, toujours avoir un grand cœur. C'est comme ça que je fonctionne. Je voulais te demander aussi un truc. Si tu marques contre le Real, tu nous fais une célébration à l'effigie du sabre, ok? Pas de soucis. Non, pas de soucis. Tu penses à un truc, t'en as déjà vu quelques-unes là, pour les mangas. Non, donc, ça devrait t'inspirer. J'ai des célébrations, j'en ai encore plein dans ma tête et tu viens d'en rajouter une. En tout cas, merci beaucoup. Fan de manga, et Alex, l'histoire ne le dit pas, mais je pense qu'il a dû négocier avec madame pour le placer, ce fameux katana, dans le salon. Je ne sais pas, je lui poserai la question, je vais lui envoyer un message et surtout lui rappeler qu'il doit effectivement célébrer, mais je ne veux pas lui porter malheur. Ah, la pression. Ouais, en tout cas, c'était un chouette moment, on a vraiment bien compris qu'au niveau de la maturité, il en a pris énormément aussi. On parle des équipes allemandes, évidemment, avec Alexis, on a déjà largement parlé de Leipzig. On est obligé de revenir sur ce qui s'est passé avec vous, Alexis, évidemment, sur le traumatisme du week-end pour le Bayern Munich, qui en a pris 3 face au Bayern, un Bayern Leverkusen qui n'en finit plus de gagner et qui pourrait peut-être enfin aller chercher ce titre, qui sait, il y a 5 points d'avance désormais pour les hommes de Xabi Alonso. Xabi Alonso qui est clairement l'homme de la situation là-bas. Oui, c'était un vrai coup de massue pour le Bayern qui était parti pour s'imposer, comme l'a dit Thomas Tuchel. Et c'est déjà la 3e défaite du Bayern dans les 9 dernières journées, donc un match sur 3. Et la 2e claque après le 5-1 subi à Francfort en novembre, ça fait un peu beaucoup pour l'état-major bavarois. Alors non pas que Thomas Tuchel soit démissé contre dans les prochains jours, mais attention, parce que si jamais il y a des convenus contre la Ligue des Champions et que l'écart avec les Verts devait encore s'accentuer d'ici la prochaine trêve internationale, donc dans un mois, et c'est tout à fait possible, puisque le Bayern va jouer notamment Leipzig alors que les Verts aura un revers très facile, là il pourrait prendre la porte, un an d'ailleurs après un certain Julian Nagelsmann. On a vraiment du mal au Bayern au niveau de la continuité des entraîneurs. C'est très inquiétant avant la Ligue des Champions. Beaucoup de problèmes de chantier dans l'effectif bavarois qui va encore subir de profonds changements cet été, c'est assuré, c'est certain. Et puis vous le disiez, les Leverkusen, c'est impressionnant. Invaincu toute compétition confondue, un jeu chatoyant, attractif qui ravit les foules. Et les Leverkusen qui n'a jamais eu beaucoup de supporters en Allemagne, aujourd'hui c'est toute l'Allemagne qui le supporte, à part bien sûr les supporters bavarois. Ouais, c'est un nouvel affront évidemment aussi pour Tuchel, hein, qui avait changé aussi son dispositif tactique en voulant s'adapter au Bayer Leverkusen. Et puis finalement, il s'est fait un peu surprendre avec Boy qui était sur la gauche, Frimpong est monté un peu plus tard. Il n'y a vraiment rien qui a marché et on a aussi eu droit à une interview assez spectaculaire, en tout cas dans les termes utilisés par un certain Müller. Müller qui a complètement dézingué l'ensemble de l'équipe. C'est franchement la soupe à la grimace là-bas, Alexis. Oui, Thomas Tuchel a eu tout faux contre ses
son dispositif tactique et puis ses choix de joueurs qu'il a utilisés. C'est vrai que c'est inhabituel que le Bayern s'adapte à l'adversaire. Maintenant, c'est l'adversaire qui s'adapte au Bayern. Donc à ce niveau-là, il ouvre le troupeau. Et c'est vrai que son crédit a été sérieusement entamé rien que ce week-end. Thomas Müller, lui, c'est vrai, a remis les choses en place. Il a vraiment attaqué ses coéquipiers, sont les nommés, mais il en a marre parce que déjà lui, il est remplaçant. Et puis, rien n'a fonctionné à la Bayer Arena. Comment Manuel Neuer peut monter sur corner quand son équipe est menée 2-0 et que la différence de but pourrait être décisive lors de la dernière journée pour prendre ce but totalement ridicule sur conditionnel. Donc, beaucoup de problèmes au Bayern, de tensions. C'est vrai qu'encore une fois, ce n'est pas beaucoup mieux que la saison dernière, lorsque déjà, il pointait, alors que l'entraîneur s'appelait Julian Nagelsmann. Donc, qui sont justement les hommes qui ont été pointés du doigt, même s'il ne les a pas cités, hein, selon vous, avec votre expérience? On rappelle que Coman et Gnabry ne sont pas là, mais quels sont les gars qui déçoivent, surtout du côté du Bayern à l'heure actuelle? Je pense qu'il n'a pas pointé du doigt le week-end, même si celui-ci n'a touché que 18 ballons. On se demande si vraiment il a joué samedi. C'était peut-être une exception, un accident de parcours pour lui. Mais sinon, c'est vrai qu'il a dû pointer du doigt, en tout cas, les nouvelles recrues hivernales. Vous parliez de Sacha Boué, le Français venu de Galatasaray, qui a joué dans une position qui n'est pas du tout la sienne à gauche. Il n'a pas du tout été à l'aide à ce niveau-là. Même Mazraoui n'a pas été à la hauteur de ce match très important. Alors c'est vrai que Upamecano a une action salvatrice en fin de première période, mais sinon on a tout manqué ce qu'il a entrepris l'international français. Et puis on a beaucoup d'autres aussi, alors que pourquoi Tuchel a laissé Kimmich sur le banc, même s'il était encore un peu blessé à l'épaule, et titularisé Pavlovic, qui est certes très talentueux, mais encore totalement inexpérimenté. Donc beaucoup de questions et de critiques à l'encontre de Thomas Tuchel, qui aujourd'hui se semble en tout cas acquis, avant qu'il ne gagne la Ligue des Champions, mais personne n'y croit à Munich, qu'il soit dédié ses fonctions au plus tard. Ouais, Jonathan, c'est quand même assez surprenant ce qui se passe depuis quelques mois, quelques saisons là, du côté du Bayern, en rappelant aussi que la Lazio, qui sera donc l'adversaire ce mercredi, a gagné face à Cagliari. C'est quand même pas non plus un foudre de guerre. La Lazio, ce n'est plus la Lazio de l'année dernière, les 9e en Serie A, et a priori, le Bayern doit faire le taf, doit faire le minimum syndical pour aller se qualifier, si pas déjà mercredi, en tout cas dans 3 semaines à la maison. Oui, il y a une option à prendre, mais c'est vrai que c'est un petit peu la maladie de certaines fois de certains coachs, de vouloir un petit peu réinventer les choses en faisant jouer des joueurs à des postes qui ne sont pas du tout les leurs, qui reviennent juste aux fondamentaux. Je pense qu'il a quand même un effectif à disposition qui est suffisamment qualitatif pour sortir la Lazio et même pour aller plus loin en Ligue des Champions. Bon, Alexis, quand je vous entends, les équipes allemandes là, qui ne sont pas non plus au sommet de la confiance, hein. Il y aura encore Dortmund qui jouera la semaine prochaine au PSV, mais quand je vous entends, ouais, Leipzig quand même pas en toute grande forme, et puis ici le Bayern qui tout saute, c'est tout le football allemand qui se dit que finalement ça ne sera peut-être pas pour cette année une victoire en Ligue des Champions et aller chercher un nouveau titre pour le football allemand. Non, tous les espoirs se reportent sur Francfort qui va éliminer Saint-Gilloise, comme vous le savez. Et concernant la Ligue des Champions, c'est vrai que le Bayern en tout cas ne déçoit jamais deux fois de suite. Donc la Lazio a quand même intérêt à se méfier. C'est très rare que le Bayern perde deux fois de suite. Je pense qu'ils sont tellement sous pression et vraiment obligés mercredi à l'Olympico montrer une réaction d'orgueil et un autre match. Mais c'est vrai que les deux autres, Leipzig aura beaucoup de mal, bien sûr, logiquement face au Real. Et Dortmund, contre le PSV, là aussi, il y a de quoi être sceptique parce que le PSV est très performant cette saison et que Dortmund a beaucoup de visages. Et en championnat, les attentes ne sont pas là. Dortmund est très loin du titre de champion, en tout cas, je crois, à 17 ou 18 points aujourd'hui du Bayern Leverkusen. Très bien, c'était très complet, très intéressant comme toujours, Alexis. On vous remercie, on se retrouve bientôt. Hein. On l'espère pour le football allemand, hein, parce que si vous êtes là, ça voudra dire qu'il y aura encore des équipes allemandes qui seront toujours en lice. Merci Alexis, excellente semaine de Ligue des Champions à vous. À bientôt. Très intéressant pour votre préparation de match. Je vais tout piquer, j'enverrai un message. Bon, c'est un moment important. C'est un moment qu'on attendait parce qu'évidemment, durant l'intersaison, du moins durant la trêve hivernale, on a fait en sorte de trouver des petites séquences. Alors, on n'a rien inventé. Hein. Il y avait la compo de Roberto à l'époque. Vous vous souvenez, cette année-ci, il n'y a plus de Roberto depuis un bon bout de temps. C'est Domenico. Et donc, place à une nouvelle séquence. À quelques mois, évidemment, de l'Euro en Allemagne. La compo de Domenico.
Donc, que les choses soient claires, la compo de Domenico Tedesco, je préfère quand même déjà bien recontextualiser et donner les règles parce que ça va, je vous vois rigoler déjà, ça va aller dans tous les sens, c'est sûr. Donc, imaginons que la Belgique joue ce soir, la Belgique doit jouer un match important ce soir, avec quel effectif Domenico Tedesco, et je ne dois pas le rebaptiser, avec quel effectif commence-t-il ce match, c'est la question. Donc, on n'est pas en train de se dire, ouais, au mois de juin, avec quel compo il joue. On joue donc avec les gars qui sont disponibles, avec les gars qui font encore partie de l'équipe nationale. Donc, ceux qui ont décidé de ne plus être dans le giron de l'équipe nationale, on pense à Alderweireld, mais ils ne peuvent pas être dans votre compo. J'espère que vous avez bien compris les règles. Alex, c'est parti. La première compo de Domenico de la saison. Alex Teclac, voici donc votre 11. Vous nous expliquez pourquoi. Alors, je n'ai pas envie de vous expliquer. Expliquer, je plaisante. Alors, j'ai volontairement parmi Kevin De Bruyne, évidemment. Donc, citez les noms, hein, aussi, voilà. que ce soit bien clair. On commence par Castels. Donc, Castels, évidemment, dans les buts, là, la question ne se pose pas trop. Hein, on ne va pas revenir là-dessus. Castagne, Fass, Vertonghen, Théâtre, parce que selon moi, pour une défense à 4, Meunier pourrait être une alternative très crédible à Castagne. On verra ce que va donner sa deuxième partie de saison. Mais là, il y a une possibilité de changement. Onana, Mangala, Tielemans. Alors, je sais, De Bruyne n'est pas dans l'équipe. Effectivement, j'aurais pu le mettre. Hein. Mais ouais, c'est la grosse surprise. Et surtout, la présence de deux éléments offensifs, Lukaku et Openda. On sent le regard biaisé par son petit séjour en Allemagne. Je me dis que ce serait dommage de passer à côté. Voilà. Mais je sais que ce ne sera pas possible de le faire en équipe nationale. On est vraiment dans le foot fiction. Mais ce serait dommage de passer à côté de cette force-là. Parce qu'il y a, pour une fois, et c'est rare, quand on a cette possibilité en Belgique, d'avoir deux attaquants hyper performants et qui pourraient jouer l'un avec l'autre, mais ou l'un pour l'autre. Mais là, c'est le devoir de Tedesco. C'est intéressant. Alors, j'entends. On n'a pas toujours eu ça par son voyage, mais les arguments tiennent la route. Ouais, mais surtout, il oublie quand même le meilleur milieu de terrain. Mais, je vais m'expliquer. Donc, le triangle, là, je l'ai voulu le plus équilibré possible, effectivement. Bref, avec des joueurs de devoir, des joueurs de travail et de la taille aussi. Vous savez que vous êtes en train peut-être de perdre toute votre crédibilité. Non, je vais vous expliquer. Vous m'avez dit, il faut prendre des joueurs sélectionnables, fit, qui peuvent jouer demain. Mais De Bruyne, il ne peut pas jouer demain actuellement. Il ne peut pas être titulaire ? Bien sûr que si. Non, il ne peut pas parce que je vais le blesser. Et je ne veux pas le blesser, j'en ai besoin pour la finale du championnat d'Europe qu'on va jouer dans quelques mois. D'accord, voilà. Mais Mathieu, du coup, dans ton dispositif, tu as quand même Openda d'un côté et Carrasco de l'autre. Donc tu fais quand même jouer Openda en dehors de sa zone de confort. C'est parce qu'elle n'a pas tout à fait. C'est l'animation. Elle n'a pas tout à fait été bien faite, l'infographie. J'en veux à personne. Voilà. Je voulais vraiment jouer avec un losange au milieu. Donc Carrasco en numéro 10 et Openda. Carrasco en 10 en sélection a toujours été très performant. Moi, je suis sûr que ce sera une alternative crédible. Mais il dit pas d'Audi. Il n'est pas encore. Ben voilà, j'ai pas de De Bruyne non plus. Non, le Bacchio n'est pas encore susceptible de jouer, même si Séville a gagné face à. Tout à fait. Je ne sais plus. Face à l'Atlético, bien sûr, votre équipe de cœur. Ouais, franchement, quel sale week-end pour les Colchoneros. Bon, avec tout ça, est-ce que vous allez nous donner une compo qui tient un peu plus la route? Évidemment, c'est le bon sens qui doit parler dans cette séquence. Encore heureux qu'il y a des gens sérieux sur ce plateau. Matzels, c'est un petit peu le coup de cœur, hein, parce que voilà, il est à Strasbourg. C'est lancé à Strasbourg. Déjà, tu commences mal. Mais c'est ridicule. C'est nous déjà. Faire du teclax. Hein. Tu commences déjà très mal. Alors, je sais que Domenico Tedesco ne change jamais sa ligne arrière et qu'il prend les quatre mêmes à chaque fois. Sauf que pour moi, Zeno De Bast, pour l'instant, est au-dessus de votre face. Pourquoi? Parce qu'il joue tout le temps avec Yann Vertonghen. Et donc, je construirai plus sur cet automatisme-là. Et aussi pour mettre en avant la progression de De Bast, qui, pour reprendre ce qu'Alex disait hors antenne, est vraiment devenu un défenseur avec Castagne à droite et Théâtre à gauche. Au milieu de terrain, une paire de récupérateurs, Mangala et Onana, qui me semble indissociable. Aurel Mangala, malgré son transfert, ça reste quand même l'un des chouchous de Domenico Tedesco. C'est l'un des joueurs qui a le plus joué. Après, Kevin De Bruyne, je ne sais même pas s'il faut justifier sa présence, en fait. On parle du Je ne pense pas. Et honnêtement, je vous aime tous les deux énormément, mais là, je dois trancher. Et je tranche pour la compo de Jonathan Lange. Voilà. Aujourd'hui, on retient ça, mais ce n'est pas parce que je tranche. Et donc, Doku à gauche, Carrasco à droite, même si ce n'est pas son meilleur. Ce n'est pas parce que je tranche en sa faveur que ça ne risque pas de changer dans les prochaines semaines. On verra ce que ça donnera. C'était intéressant. Non, je n'ai pas du tout été acheté. Par contre, si vous voulez m'acheter, c'est le moment parce qu'on est parti pour une belle bataille. Ah oui. Choisis ton camp. Sortez les enveloppes si vous voulez me conditionner, parce que le choisi ton camp, c'est City est-il le grand favori? C'est la question du jour. Déjà posé la question, je trouve que c'est déjà un peu y répondre. Alors qui commence, Jonathan? Allez, non,
Parce que encore une fois, Alexandre Teclac a choisi la facilité, ça lui ressemble. Mais c'est parce qu'il faut au moins qu'il gagne quelque chose dans cette émission, parce que City rime avec favori, on est d'accord. Mais aussi parce que quand on parle de quiz, Teclac rime avec grosse claque. Plus sérieusement, il n'y a pas que City. Je sais qu'Alex, quand on parle de Madrid, il jure que par l'Atlético. Mais il y a le Real aussi, avec Jude Bellingham, qui a été le meilleur joueur de la phase de groupe et qui va revenir très vite. Avec Vinicius, avec aussi ce Vous passé. Vous êtes sûr qu'il va revenir très vite ? Mais oui, avec aussi ce passé qui se conjugue au présent pour s'offrir un brillant avenir. Il y a le Bayern aussi, avec Harry Kane, le meilleur finisseur de la planète en ce moment. Et les Munichois vont finir par y arriver aussi, d'autant qu'ils ont plus de chances de triompher en Ligue des Champions qu'en championnat. Peut-être comme le Paris Saint-Germain, tenez, avec Mbappé, Dembélé. Il y a l'Inter aussi, finaliste. Ça s'appelle la méthode Coué. Encore plus fort cette année. Il faut donc vraiment y croire. Hein. City n'est pas le favori, mais un des favoris. Une nuance de taille, ce truc. Oui. Ouais. C'est bien parce que j'aurais pas su faire mieux défendre ton Pas mal, mais peu mieux faire. C'était très, très compliqué. Ouais, est-ce que c'est encore nécessaire de donner des arguments par rapport à City ? Vous voulez gagner du temps ? Je fais pas. Allez, brièvement. Brièvement. Il n'y a pas besoin de tout lire. Retenez les grandes idées. Non, mais 18-18. Même pas quand vous êtes en train de lire votre texte. 18 sur 18 en phase de groupe, voilà, sans KDB, je précise, puisque je vais te faire plaisir, effectivement, à ce moment-là, très hypocrite que je suis. Voilà, donc c'est vrai qu'ils ont un petit peu de concurrence en Première Ligue. Maintenant, il faudra encore les battre sur deux matchs. Alors, vous savez que le Cyborg n'avait plus marqué depuis longtemps. Depuis, je crois, début novembre, quelque chose comme ça. Mais on n'a pas qu'il remarque depuis sa blessure, en tout cas. Bah, en tout cas, City n'a pas eu besoin de lui, malgré tout. Ok, allez, c'est bon. Bref, City favori. Soit. On arrête ? C'est bon. Non, j'ai juste encore une chose un argument, le dernier. Ouais, le dernier, et c'est bon comme ça. Vous savez que Opta a utilisé l'intelligence artificielle pour déterminer qui va gagner la Champions League. Il l'avait déjà réussi à trouver l'Argentine en Coupe du Monde. Qui est sorti, à votre avis ? L'Atlético Madrid ? Non, City. Donc, ça me fait plaisir parce que j'aime l'intelligence artificielle quand elle me donne raison. Soyez intelligent d'ailleurs et tenez-vous droit, c'est ce que la réalisation me Excusez-moi, demande. Excusez-moi, mon cher. On a l'impression que vous êtes en train de perdre de pied là face à vos arguments. Je suis dans mon transat espagnol. À certains moments, ne tiennent plus la route. Par rapport à City, ça tenait la route. Et je dois bien vous dire que vous m'avez convaincu. Allez, c'est le moment d'un petit moment d'ailleurs qu'on attend depuis quelques semaines. C'est la belle histoire de Jonathan Lange. La belle histoire. Un joueur qui joue d'ailleurs à Copenhague, on n'en a pas parlé, qui fait figure de petit poussé, par contre, ça c'est sûr, face à City, c'est Kamil Grabara, joueur polonais de cette équipe de Copenhague. Ouais, un gamin qui est né en 1999 à Ruda Śląska. Ruda Śląska, c'est dur à dire, mais Grabara, il est genre dur au mal. En Silésie, quand il commence à plonger, il ne le fait pas sur du gazon, mais sur des terrains avec des gravats. Il emporte encore les stigmates sur ses côtes. Et chez les Grabara, le foot, c'est plus maman que papa. Elle aurait aimé jouer, mais à l'époque, les filles n'en avaient pas le droit. Elle se rattrape donc dans le jardin avec le fiston. Le fiston, il a 7 ans quand il dispute son premier match face à des gamins qui ont 2 ans de plus. Il est sur le banc, le gardien de son équipe se blesse à 1-0, lui rend Il en prend 10, mais il fait au moins une vingtaine d'arrêts. Ce qui n'empêche pas un adulte sur le côté de lui conseiller d'arrêter tout de suite ce qu'il vient de commencer. Sauf que Grabara, il a la tête dure. Et Patrice, il se demande juste comment on peut dire ça à un enfant. Très vite, il réalise son rêve en rejoignant le Rouge Chorzów, désolé pour la prononciation, le grand club du coin. Les deux Manchester le veulent. Zeschow, je pense que c'est Zeschow. Ça doit être ça. Le polonais est moins bon que celui de Teclac, hein, normalement. Les deux Manchester veulent lui faire passer des tests, pas Liverpool qui le fait signer directement. On est en 2016, il n'a même pas 17 ans. Il attend 6 mois pour jouer et il en profite pour aller à la salle de musculation. En tout, il prendra 13 kilos de muscles quand il sera là-bas. Signe de sa détermination sans faille. Parce que Grabara, il sait ce qu'il veut et sait ce qu'il ne veut pas non plus. Comme jouer l'Euro Espoir au pays en 2017. Boniek, en personne, la légende du football polonais, lui téléphone pour le convaincre. Poli, il écoute mais il ne change pas d'avis. Chez les Reds, on le voit en U18. En U23, sous les ordres d'un certain Steven Gerrard, qui le dit, c'est un top gardien. Et lui, il répond, ouais, il a dit la vérité, moi, je veux juste être le meilleur du monde. Arrogant ? Peut-être. Sûr de lui, ça, c'est évident. Mais à Liverpool, le problème, c'est qu'il y a du monde devant lui. Il y a Mignolet, il y a Karius, il y a Alisson ensuite. Alors, pour progresser, il doit jouer, ça passe par des prêts. Il se retrouve à Huddersfield en 2019-2020. Tout se passe bien jusqu'à un terrible choc à la tête. Hématome au cerveau d'un centimètre de diamètre, perte de mémoire, 8 mois d'absence et un nouveau départ à Aarhus, au Danemark, où il tape dans l'œil de Copenhague. Et très vite, il va faire oublier Matthew Ryan. 2 saisons, 2 titres de champion et 2 récompenses de meilleur gardien du pays avec un record d'invincibilité vieux de 22 ans qui tombe et toujours ce sens de la formule. Il a beau dire qu'il ne se voit pas comme un footballeur mais comme un gardien parce qu'il a vite compris qu'il n'était pas assez bon dans le champ, il maîtrise l'art du tacle, mieux qu'Alex Teclac. Sur la sélection polonaise où il n'a qu'une seule sélection parce qu'il a souffert de Szczesny et maintenant de Bulka, ah c'est parce que j'ai changé de numéro de téléphone qui m'appelle pas, ou j'ai pas envie de m'entraîner une semaine pour aller sur le banc. Après le nul frustrant à Galatasaray à l'automne, on aurait dû gagner dans ce shit hole.
Au Rivo de Brøndby, tant que je serai là... Restez poli, Jonathan, dites-moi, qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui? Au Rivo de Brøndby, tant que je serai là, ils ne seront jamais champions. Ils peuvent être rassurés. Cet été, il sera parti à Wolfsburg, qui a déboursé 13 millions pour en faire le successeur de Koen Castells. Mais avant donc, il y a City. L'an dernier, il en avait pris 5 dans un match à 30 tirs à 2. Guardiola l'avait dit, ce gardien qui joue masqué depuis une fracture au crâne en juillet 2022 avait été incroyable, à lui de refaire le coup. Parfait, mais on verra ce que ça donnera demain. Jonathan, ça a été très très clair. Il reste 3 minutes dans cette émission. Alors, on a toujours droit à un quiz. Il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'en 3 minutes, peut placer toutes les questions? Oui, tu auras gagné en 3 minutes. Ce sera la réponse. Allez, on y va, vite fait. Naturellement, on a parlé de Polonais, donc on va parler des Polonais en Champions League. J'ai joué avec Thomas Müller, Pedri, Ilkay Gundogan, Dante et Joshua Zirkzee. Lewandowski. Bien joué. 1-0. Oula, attention, parce qu'il y a quand même un élément que j'ai oublié de rappeler, c'est qu'on recommence tout à zéro, puisque je menais tellement largement, il n'y avait plus vraiment de raison au mercato. On a décidé finalement de recommencer à zéro, donc je me suis montré très très grand. Et donc voilà, c'est 1-0, c'est historique ce qui se passe, les consultants même. Rajan N'Golan, Gervinho, Thomas Vermaelen, Adrien Rabiot et Conny De Winter. Chesney. Un partout. Ouais. Axel Witsel, Thomas Meunier, Thorgan Hazard, Pichek. 2-1. C'est très très serré, c'est beau ça. Geoffrey Claes, Nicolas Anelka, Steven Gerrard, Raoul, Sergio Ramos. Geoffrey Claes, ça fait Feyenoord alors. Ouais. Geoffrey Claes, ça fait Rappelez encore rapidement les noms. Anelka, Gerrard, Raoul, Anelka Ramos, en Turquie. Claes. Fenerbahçe, quand il est passé. Gerrard. Liverpool, Feyenoord. Bon, on passe. Gardien de but. Jerzy Dudek. Attention. Ça reste 2-1 pour les consultants. Dries Mertens, Kalidou Koulibaly, Victor Osimhen, Cyril Ngonge et Lorenzo Insigne. Zielinski. Deux buts partout. 2-2. Voilà. 2-2, c'est super. Bravo. Ça pour lancer justement cette année 2024 au niveau de la Ligue des Champions. On voit que les consultants sont quand même un peu revigorés. Ce voyage en Espagne, évidemment, lui a fait du bien. Je t'avais prévenu que j'essaierais de... Des Polonais. Vous avez du sang polonais, Alex. Normalement, vous deviez mener l'argent. Je t'envoie mon perdu. Oui, j'ai pas perdu, écoute, merci. Bon, c'était particulièrement intéressant, c'était rythmé. Je vous demanderai, les gars, que ce soit encore le cas les prochaines semaines. On espère que les matchs seront tout aussi rythmés. Rendez-vous évidemment mardi soir et mercredi soir dans le cadre de la Ligue des Champions, le multi-live, bien sûr, 20h15. Des chouettes sujets, bien sûr, des grands matchs, des interviews, tout ce qu'on a envie de voir, bien sûr, c'est le foot qu'on aime. Et puis jeudi aussi, à partir de jeudi, sur les réseaux sociaux de Pix Sport, vous pouvez retrouver Flashback avec toute l'équipe de Gordon De Winter. Vous pouvez retrouver notamment un Alex Teclac à Rome qui va manger tranquillement le soir après le match, qui remet son auto bronzant le jeudi matin pour revenir en pleine forme en Belgique. Je me retourne pour voir le temps qui reste pour me défendre. En fait, non, je vais pas le faire. Voilà. Vous abdiquez. Ouais, très bien. Bon, c'était sympa. Merci Jonathan. Merci Alex. Merci, et bonne semaine de Ligue des Champions sur les antennes de Pix Sport. Ciao.